Papa et Maman Pig ont préparé le petit déjeuner de Peppa et Georges. Le petit déjeuner est prêt. Peppa a des boutons rouges sur la figure. Maman, je me sens pas très bien aujourd'hui. En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais appeler le docteur Brownbear. Docteur Brownbear, à l'appareil. Peppa ne se sent pas bien. Elle a le visage couvert de boutons rouges. Dites-lui de rester au lit. Je viens immédiatement la voir. Docteur Brownbear est venu soigner Peppa. Bonjour, Peppa. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens un peu drôle. Montre-moi ta langue, s'il te plaît. Rien de bien sérieux, heureusement. C'est une simple éruption de boutons. J'ai besoin de médicaments? Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops. Oui, je veux bien. Je ne te promets pas que tu vas le trouver à ton goût. Ouvre grand la bouche. Berk, c'est mauvais. C'est bien, Peppa, tu as tout avalé. Tu es une petite fille très courageuse. Peppa doit rester couchée. Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'elle peut avoir des visites? Oh oui, elle peut recevoir qui elle veut. Ce n'est pas une maladie contagieuse. À tout à l'heure. Au revoir, docteur Brownbear. Maman, je peux sortir maintenant? Non, Peppa. Le docteur Brownbear vient de dire que tu dois rester au lit. Oh, mais je vais m'ennuyer. Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite. Est-ce que Suzy peut venir à la maison? Suzy Sheep est la meilleure amie de Peppa. Je vais appeler sa maman et lui demander. Bonjour, Madame Pig. Est-ce que Peppa peut parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Je suis malade aujourd'hui. Tu sais, j'ai des boutons sur la figure. Est-ce que le docteur est venu? Oui, bien sûr que le docteur est venu. Il a dit que j'avais une éruption et que j'étais très courageuse. Alors tu es vraiment malade? Oui, je ne fais pas semblant. Je n'ai pas le droit de sortir. Et le docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très, très mauvais. Bon, alors je vais venir te voir. Je vais mettre mon costume d'infirmière. Suzy est venue rendre visite à Peppa. Suzy a mis son costume d'infirmière. Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venus avec elle. Bonjour, Peppa. Bonjour. Tu es fort malade? Non, pas trop, mais je me sens pas très bien. Et je n'ai pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange. D'accord. Peppa a l'air de bien s'amuser. Merci beaucoup, Suzy. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, un peu. Danny, tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace? Dis, Rebecca, tu veux pas m'apporter des fleurs? Il y en a dans le jardin. Docteur Brownbear est revenu voir si Peppa allait mieux. Oh, bien, l'infirmière est déjà là. Alors, comment va notre patiente? Je ne suis pas une vraie infirmière. Je fais juste semblant. Oh, je vois. Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil? Oui, bien sûr. Oh, oui. Les boutons ont disparu. Tu es complètement guérie. Je ne suis plus du tout malade. Comment tu te sens? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit. J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin. Qui veut venir avec moi? Moi aussi. Mais regardez ça, c'est ce que j'appelle être tout à fait guéri. Les déguisements. Peppa et Georges s'amusent dans la chambre de leurs parents. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors? Ça c'était le chapeau de papa. Et ça c'était la robe de maman. Georges, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa.
Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour Papa Pig. À mon tour maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens, tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou Peppa, coucou Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr, pardon Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. Georges. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ça? Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Je ne suis pas Peppa. Je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grognements qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous ôtiez ces vêtements pour manger, ils sont trop sales. On s'appelle Maman et Papa Pig, pas Georges et Peppa. Tu en es sûre? Oui, sûre. Ah, eh bien alors, où sont passés Peppa et Georges? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là. Georges! Oh, vous étiez déguisés. Oui, maman. On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi. Oh, oh, oh. On ne s'est rendu compte de rien, bravo. Une très belle journée ensoleillée, Peppa et Georges font du vélo. Quel magnifique potiron, Papa Pig! Papa Pig est très fier de son potiron. C'est le seul légume que j'arrive à faire pousser. Et ça tombe bien, j'adore les tartes au potiron. Allez, Georges, on y est presque! Danny, Suzy, Rebecca! Peppa et ses amis, Danny Dog, Suzy Sheep et Rebecca Rabbit font du vélo. Georges suit sur son tricycle. Il est encore plus lent qu'un escargot. Et si on faisait la course jusqu'au potiron de ton papa? Oh oui, moi je veux bien faire la course. Mais si on va jusqu'au potager de papa, il faudra faire très attention. Il serait furieux contre nous si on abîmait son potiron.
Ne t'inquiète pas, Peppa. Rattrapez-moi! Oui! Peppa et ses amis se dirigent droit sur le petit rond. Hé, attention à mon petit rond! J'ai gagné! On est là! Peppa, fais attention, tu vas écraser le petit rond. Excuse-moi, papa. Regardez, Georges, il est toujours à la traîne. À son âge, il a toujours un tricycle de bébé. Tu ris, mais toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa. Les grands, ils n'ont pas de roulette pour stabiliser. Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. Mais... Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Allez, on fait la même descente. Tu viens avec nous, Peppa? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo? Tu crois que tu peux rouler sans elles? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire, regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi. Nani, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh non, Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que toutes tes amies puissent en profiter. Le pique-nique. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provisions. J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si? Le gâteau à la fraise de maman? Oh, oh, je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que Maman Pig fait de mieux? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là! C'est parfait, alors en route! Et si on s'arrêtait là, ça me semble idéal pour pique-niquer. Oui. C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre? Enfin, moi, j'irai faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si on se mettait à table. Excellente idée, Maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux.
Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Or, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices. Qu'est-ce qu'il y a? Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes! Va-t'en! Pourquoi t'agites-tu comme ça, Maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi! Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible! Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste! Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis aux canards de leur en donner. Hein? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh, oh. Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir aux canards, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Les instruments de musique. Papa et Maman Pig ont rangé la maison. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent. Bravo, maman. Maman, est-ce que je peux essayer moi aussi? Bien sûr, tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Oh. Aïe, ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. Georges aussi veut essayer. Tiens-le bien contre ton menton. Oh. Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. Regarde, tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour. Merci beaucoup, papa. Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oh oui, excellent! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de Papa Pig.
Oui, j'en jouais souvent pour Maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, Papa Pig, c'était mon morceau préféré. George aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, George? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, George, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, George. George est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et George, de quel instrument va-t-il jouer? George souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et c'est George qui y arrive le mieux. La pièce de théâtre. Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite? Je vais rendre visite à ma grand-mère. Je vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papi Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Hey, tu dois dire, je suis venu pour te chasser, grand méchant loup. Va-t'en d'ici, grand méchant loup, va-t'en. C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour, mesdames et messieurs. Et bienvenue dans notre théâtre, où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Miaou.
Attendez, attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Oh là là! Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa. Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. Oh. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. Peppa va à la plage avec toute sa famille. Peppa et George aiment bien aller à la plage. Nous avons pris beaucoup d'affaires. Il faudra faire attention de ne rien oublier en partant. Parasol, sac de plage, serviette, seau et pelle. Et un ballon en poids. Bon, avant d'aller jouer au soleil, je vais vous passer un peu de crème. Le soleil est brûlant. Peppa et George doivent mettre de la crème solaire. Voyons si ce beau ballon est assez gonflé. Oui, ça a l'air d'aller. Quel beau ballon à pois. George, tu vas me lancer le ballon et moi je l'attrape. George, attrape. Ouh là là, George est trop petit pour l'attraper. C'est pas grave, George. Si tu veux, Peppa et toi, vous pouvez aller dans l'eau. Moi, je veux, papa. Avant, vous devez mettre vos flotteurs. Et voilà. Tu es très beau avec tes flotteurs, George. Ça te va bien. Moi aussi, moi aussi. Bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout, elle est très bonne. Oh. On se calme. C'est toi qui as commencé, Papa Pig. Oh. Vous n'avez pas envie de barboter? Oui. Papa, j'aime bien quand on va à la plage. Peppa et George aiment bien aller à la plage. Tout le monde aime aller à la plage. Peppa, George, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman. Papa, papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Eh bien... Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi. Peppa et George enterrent Papa Pig dans le sable. Faites doucement.
maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis « s'il te plaît ». S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Oh, je vais en profiter pour faire une petite sieste. Georges, on va faire des châteaux de sable. Peppa et Georges font des châteaux de sable. D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça. Ensuite, on met le seau à l'envers. Et on tape dessus. On soulève le seau. Et voilà le château. Peppa a réussi. Un château. Georges aussi a réussi. Peppa, Georges, c'est l'heure de partir. Ne laissez rien traîner sur la plage. Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié. Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à pois. On a tout, maman. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille. Papa, on allait oublier papa. Oh, oui, n'oublions pas papa Pig. Oh, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Papa, on allait partir sans toi. Heureusement que Georges était là. Je te remercie, mon petit Georges. Papa Pig. Peppa. Le supermarché. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie, moi aussi? Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien, mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates, les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghettis. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghettis. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Et non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons! Ah oui, je m'en rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits.
Au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quel fruit veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes? Une pastèque? Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! La fée d'Andelée. Peppa et Georges mangent leur plat préféré, des spaghettis. Vous en faites du bruit. J'ai fini. Oh, ça va faire du bien un peu de silence. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une dent. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent? Oh, Peppa, va te regarder dans un miroir. Oh. Mais c'est ma dent! Pourquoi elle est tombée? Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est normal, c'est une dent de lait. Et les dents de lait, ça tombe. Est-ce qu'une autre va pousser, maman? Oui, bien sûr, Peppa. Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dent de lait. La fée dent de lait? Oui, la fée dent de lait. Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dent de lait viendra. Elle passera dans la nuit chercher ta dent et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie, rien que pour toi. Quand je serai grande, je veux être une fée dent de lait. Oh, 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 oh. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon? Dinosaure. Un dinosaure. Georges, c'est l'heure d'aller au lit. Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra. Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents. Peppa, qu'est-ce que tu fais? Je brosse ma dent de lait. Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher. Peppa est pressée d'aller se coucher. Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée dent de lait. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes chers petits cochonnets. Tu sais, je ne vais pas m'endormir. Toi et moi, on va passer une nuit blanche. Et on verra la petite fée. La fée dent de lait est en retard. Oh. La fée dent de lait met beaucoup de temps pour venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dent de lait? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée dent de lait? Georges, tu entends quelque chose? Oh, Georges. Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit. Il était si fatigué qu'il s'est endormi. Pauvre Georges, il est trop petit. Il ne peut pas veiller toute la nuit. Mais moi, si. Moi, je vais rester éveillé. Je vais voir la petite fée. La fée dent de lait est arrivée. Mais Peppa dort profondément. Bonsoir, Peppa. Est-ce que
tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait? Quelle ravissante petite dent toute propre! Merci, Peppa. Fais de beaux rêves! Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure! Déjà? Moi, je n'ai pas dormi. Est-ce que tu as vu la fée? Non. On va quand même regarder sous ton oreiller. Oh, regarde, Peppa! La fée dont de lait est passée. Elle t'a déposé une pièce. Youpi! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée. Oui, je crois que je me suis endormie 5 minutes. La prochaine fois, je resterai éveillée. Et je suis sûre que je verrai la fée dans de lait. Le château aux 4 vents. Peppa et toute sa famille partent en promenade. Peppa, Georges, aujourd'hui nous allons au château aux 4 vents. Pourquoi il s'appelle aux 4 vents, papa? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés. Georges aime beaucoup les châteaux. Mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. C'est que pour les garçons. Mais non, Peppa, ça va te plaire. Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour. On peut même voir la maison de papy et mamie. Waouh, vite, on y va. Alors voilà, je regarde le plan et c'est maman qui conduira. Tu en es sûr, Papa Pig? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur. On ne va pas se perdre. Et je ne serai pas de mauvaise humeur. Château aux 4 vents, nous voilà! Est-ce qu'on arrive bientôt? Pas encore. Oh! Vous voulez jouer à un jeu? Oui, papa. On peut jouer à l'espion? Si tu veux. C'est moi qui commence. Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est. Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge. Rouge? Ma robe, elle est rouge! Non, Peppa, ce n'est pas ta robe. La voiture! Tu as gagné. C'est notre voiture rouge. À mon tour! Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu. C'est la chemise de Georges. Non, papa! Est-ce que c'est dans la voiture? Non, je le dis. Oui. Le ciel! Le ciel est bleu! J'ai gagné! Papa Pig, est-ce que tu sais où on est? Bien sûr que je sais où on est. Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte. Oh, Papa Pig, on est perdu! Mais non, pas du tout. Alors explique-moi comment on va au château aux 4 vents. Laisse-moi réfléchir un petit instant. J'ai une idée. Je vais appeler papy et mamie. Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu. Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures. Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. On cherche le château aux 4 vents et je crois qu'on est perdu. Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, Papy. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux 4 vents. J'en étais sûr. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux 4 vents. Vas-y, Babel. Allez, petit patou, tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux 4 vents. Oh, comme il est grand. Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau. Regardez cette vue. Maman, c'est la maison de mamie et papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papy et mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig,
Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papy nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Le musée. Peppa va au musée avec toute sa famille. Papa, c'est quoi un musée? C'est un endroit où il y a plein d'objets très intéressants et qui sont très très vieux. Plus vieux que toi? Oui, beaucoup plus vieux que moi. Ouh, c'est très vieux alors. Il y a une salle contenant des objets ayant appartenu il y a très longtemps à un roi et une reine. Oh, je vais aller voir la salle du roi et de la reine. Je crois bien qu'il y a une salle où il y a un vrai dinosaure. Ouais, dinosaure. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. Combien désirez-vous de billets? Il y a 2 adultes et 2 enfants. Dinosaure. Et 1 dinosaure. Peppa veut voir la salle où se trouvent les objets ayant appartenu il y a longtemps à un roi et une reine. Ah, dinosaure. Georges veut voir le vrai dinosaure. Ne t'inquiète pas, Georges. Nous irons voir le dinosaure juste après. Peppa, ce que tu vois, ce sont les vêtements que la reine portait il y a très très longtemps. Et ça, c'est la chaise où siège la reine. Ça s'appelle un trône. Il est beau, ce trône. Ça, c'est la robe de la reine. Elle est trop jolie. Regarde, Peppa. C'est la couronne que la reine portait. Elle est en or massif. Oh! Qu'est-ce qu'elle est belle! Maman, est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine? Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Oh, pas de télévision? Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère. Non, il n'y avait pas d'ordinateur non plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Maman, si un jour je suis reine, je mangerai autant de gâteaux que j'ai envie quand j'en ai envie. Peppa imagine qu'elle est reine. C'est délicieux. Y a-t-il autre chose que vous désiriez, reine Peppa? Oui, une autre part de gâteau. Tout de suite. Venez par ici. J'arrive, papa. Papa, je suis la reine Peppa. Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler. Oh, je regrette profondément de vous avoir offusqué, votre Altesse royale. Quelle est votre fonction? Je suis votre papa. Cela doit être intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans quelle salle ici? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure? Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh! Ouh là là! Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure! Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine. Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus. Ah, et c'est quelle salle, maman? Celle où l'on trouve des pâtisseries. La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée. Venez, asseyez-vous. Moi aussi, je l'aime bien, cette salle.
Les marionnettes de Chloé. Peppa va en famille rendre visite à son oncle, sa tante et sa cousine Chloé. Moi, je parie qu'Oncle Pig va s'endormir après le déjeuner comme il fait d'habitude. Papa Pig, tu ne devrais pas parler aussi peu respectueusement de ton frère, surtout quand les enfants sont là. C'est la vérité. Oncle Pig mange toujours trop pendant les repas et après il s'endort. En plus, il ronfle bruyamment, comme ça. Ah, Peppa, George, oubliez ce que j'ai dit à propos de votre oncle. D'accord, papa. Peppa et sa famille sont arrivés chez Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour mon cher frère. Oncle Pig est le frère de Papa Pig. Chloé Pig est la cousine de Peppa et George. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour George. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Attends-nous Chloé. Voilà. Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes. C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi. Waouh! J'ai déjà fabriqué deux jolies marionnettes. Celle-là, elle s'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Pig. Celle-là, c'est mon papa. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour, Peppa. Je suis ton Oncle Pig. Chloé, est-ce que George et moi, on peut fabriquer une marionnette? Oui! Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord, on fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. Attendez les enfants. On arrive. Après le déjeuner, on fera un spectacle, d'accord? Oui. Tantine Pig a fait des spaghettis pour le déjeuner. Ah, ces spaghettis sont un vrai régal. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareil? On est très différents l'un de l'autre. Peppa, George et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée. Appelez-nous quand vous serez prêts. Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre les spaghettis? J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peppa. Ah, un dinosaure! Un méchant dinosaure! Eh bien, ils sont excellents! Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, oncle Pig! Bonjour, Peppa. Ho, ho, ho! C'est exactement toi! À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Oh oh, j'ai bien mangé aujourd'hui. Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça. Oh oh, oh. Ton papa a raison, je ronfle comme ça en général. Oh, Papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière. Ce n'est pas grave, de toute façon, Papa et Oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et Oncle Pig se sont endormis. Pas de doute, ce sont vraiment des frères. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision.
courage. Et n'oubliez pas de respirer entre chaque mouvement. Très bien, la télévision est allumée. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa? Parce que ton ventre est énorme. Quoi? Mais je suis en forme, je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh. Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. Bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. 1, 2. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez, les enfants. On va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Maman Pig, Peppa et George préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10. Oui, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13. 14. Et 15. Et 16. Et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa! Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. Une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et George. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et
et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa. À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis prête. Oh, oh, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme. Oh. Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig nettoie ses outils. Maman! Maman Pig est revenue. Maman! Oh, maman est rentrée! Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà. Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. Thank you.